Ce sont des axes qui rappellent la période qui a été douloureuse de la Covid pour mettre en exergue la solidarité qui s'est construite et exercée à Saint-Denis, rappeler les aides sociales que nous mettons en œuvre parce que la population a besoin de soutien. Il y a eu bien sûr le sujet du logement sur lequel nous revenons qui est un axe majeur aujourd'hui pour les familles. Même si la ville a beaucoup construit de logements, 5600 sur ces 10 dernières années, il nous reste encore 8600 demandes en instance, les gens demande du logement, c'est un vrai sujet. Nous combattons et nous menons le combat là-dessus. Nous les accompagnons, bien sûr. Et puis, notre axe, c'est d'expliquer qu'on veut bien sûr du logement social, mais intermédiaire pour les seniors, pour les jeunes. L'emploi, où nous avons rappelé que nous avons, par des partenariats, accompagné des jeunes, 15 000, mis en place 3 600 PEC, 87 ACI. Donc, nous avons parlé de toutes ces préoccupations au quotidien. Et puis, nous avons projeté aussi la ville dans l'avenir, avec tous les projets qui sont aujourd'hui en phase de réalisation pour certains, en phase d'instruction, où nous les avons lancés, c'est dans le tuyau, la transformation du grand quartier bas de la rue Maréchal-Leclerc, Vauban, l'étude qui est lancée avec la consultation des gens qui habitent Chaudron pour faire la ruche, le Baobab, enfin voilà. Malgré toutes ces difficultés, on est dans une dynamique et ils le sentent bien. On a eu beaucoup de monde avec une liberté de parole et un échange qui était riche. Donc voilà, la démocratie participative, c'est réel à Saint-Denis et nous sommes tous très engagés, on est très heureux de ça.